Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de vous présenter ce nouveau numéro en ce dimanche 20 février 2022. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, merci d'abord pour tous les gens qui ont réagi et qui continuent à réagir sur nos émissions. Merci pour ceux qui se joignent à cette grande famille en s'abonnant nombreux, en s'abonnant parce que cette semaine, nous avons quand même vu qu'il y a eu des gens qui se sont abonnés. En tout cas, nous vous remercions. Comme toujours, dans cette émission, nous ne citons pas les noms des gens ou quoi que ce soit, nous ne faisons pas la promotion des gens, mais nous faisons la promotion de cette l'idée que nous avons pour le changement de ce pays qui est la République démocratique du Congo, notre cher pays, et le seul pays que nous avons. Nous sommes en exil ici en Afrique du Sud où nous émettons. Nous émettons à partir de Johannesburg. Beaucoup de gens m'ont posé cette question. Où est-ce que vous êtes? Je suis à Johannesburg et ça fait beaucoup d'années que je suis exilé ici. Mais cela ne m'empêche pas de temps en temps d'arriver au pays. Depuis que donc le changement était venu, ça fait plus de 2 fois ou 3 fois. 4 fois même que je suis allé au pays et je suis en contact permanent avec les envoyés, ceux qui m'aident aussi à avoir les nouvelles du milieu sur terrain à Beni, à Butembo, à Isiro et même à Gemena et à Mbandaka. Nous avons des frères qui nous suivent là-bas, qui sont sur terrain et qui nous mettent tous les jours au courant de ce qui se passe sur terrain. Cette émission, c'est un magazine de réflexion, comme vous aviez suivi dans le titre, disons dans le générique au début. Nous réfléchissons sur comment est-ce que nous pouvons implémenter le changement en République démocratique du Congo. Alors, nous avions été très contents parce qu'à un certain moment, nous pensions que nous parlions dans le vide, mais l'idée a quand même accroché certaines élites qui sont au pouvoir maintenant et qui ont commencé à parler de ce projet de 145 territoires. Au fait, ce projet-là consistait à rétrocéder le pouvoir à la base, à inverser la pyramide où nous voyons que les décisions sont prises en haut et puis que le peuple subisse. Nous voulons assez que reconstruire notre pays par la base en donnant beaucoup plus de pouvoir à la base afin que la base puisse être à mesure de contrôler, à mesure avoir vraiment le pouvoir en disant que nous avons mis des programmes et nous voulons avoir ce programme se réaliser dans 7 ans. Et qu'est-ce que nous avons? Il faudrait que la base puisse être consciente de ce qu'ils ont pour qu'ils puissent mettre de programme. Pas d'illusion, pas de démagogie que les gens que nous voyons aujourd'hui en train de venir avec les choses en vous disant que non, je vais faire pour vous ceci. C'est pour cela que nous nous sommes dit, si nous pouvons aujourd'hui réorganiser la base pour que la base puisse se prendre en charge. C'est ça qui était le père de la démocratie, Étienne Tshisekedi, disait que au peuple de se prendre en charge. C'est ça vraiment la signification réelle de cette phrase-là, prenez-vous en charge. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler, encore une fois de plus, comment nous allons y arriver. La proclamation de la 4e République, qu'est-ce que nous pensons que les états généraux pourront amener pourquoi est-ce que nous voulons qu'il y ait des états généraux? Nous allons parler de ça dans cette émission. En tout cas, il y a beaucoup de révélations qui seront à table dans cette émission. Nous allons vous révéler les étapes et nous avions déjà commencé par parler de ça. Mais dans cette émission, nous vous parlons pourquoi la 4e République. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une qui paraît ce dimanche 20 juillet dans les journaux, les grands titres, les grands journaux qui paraissent sur Internet. Nous lisons les grands titres, pas des journaux à papier, mais les journaux qui paraissent sur Internet. Ça, ce sont les journaux des amis qui sont dans le digital et qui
vous donne des informations. Et c'est, nous avions choisi 5 journaux. C'est ces 5 journaux que nous prenons les titres et nous vous le donnons. Comme nous ne parlons pas de l'actualité, nous vous faisons quand même, nous vous informons sur ces titres-là. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de naviguer sur tous ces problèmes, ces sites-là, mais nous vous donnons les grands titres. On se retrouve juste après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Ituri, un parti politique exige la libération urgente de membres de la task force. Inera, Yangambi, le Sikor, le Sifor en danger. Et puis voici les candidats, gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï central. Ça c'est election-net.com. On va sur actualité.cd. Ici, nous allons voir la DGM empêche Matata Ponyo de se rendre à Lubumbashi à bord de l'avion Congo Airways. Et puis, Congo Central, candidat gouverneur, né Mwanansemi à la CENI pour régulariser son dossier. Congo Profond, mine à ciel ouvert de Kabukasulo. L'entreprise CDM au cœur d'un scandale financier à Kolwezi, rapport du reportage frontalier. Profanation des tombes à Kasumbalesa, deux suspects voleurs de croix aux arrêts. Et puis 7 sur 7, au moins 6 morts et 2 attaques de ZDF à Ituri. Et puis RAM, toutes les ponctions directes sur les unités des abonnés prendront fin d'ici le 1er mars. On va terminer par Radio Okapi. Beni, arrestation d'un collaborateur de ZDF, l'armée interpelle la population. Et puis à Bukavu, alerte internationale forme les PME sur un commerce de paix transfrontalier. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous rappeler d'abord le schéma que nous avions pensé que ça pourrait être que le président actuel ou bien le gouvernement actuel pourrait prendre pour que nous puissions vraiment apporter le changement. Et cela va me pousser à répondre à beaucoup de gens qui me posent la question, pourquoi est-ce que nous supportons le président Félix Tshisekedi? Voici le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous sommes pour que Félix Tshisekedi puisse initier le changement? C'est parce que Félix Tshisekedi découle d'une certaine manière civilisée qu'a entamé le président Kabila, Joseph, en disant que nous allons faire le changement. Nous voulons à ce que ce momentum-là puisse continuer. C'est pour cela que nous sommes contre les coups d'État, nous sommes contre les renversements par les armes et tout c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, constitutionnellement, de cette constitution que nous avons, ça donne tous les pouvoirs au président de la République. Et le président de la République est Félix Tshisekedi. Nous les supportons. Pourquoi? Nous les supportons en pensant que en lui viendra cette hargne de changement. En lui viendra si on peut dire ça en swahili, en lingala plutôt. Maintenant que tout n'a pas supporté Joannini, parce qu'il y a un jeu qu'on a pouvoir, il y a un jeu qui est assez, qui tout moi, selon la constitution à Léo, le président de la République aujourd'hui, l'institution président de la République, peut initier le changement de cette constitution. C'est pour cela que nous les supportons. Voilà la réponse. Alors, comment est-ce qu'il peut y arriver? Il peut y arriver en se disant que trop, c'est trop. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, ça laisse à désirer. Nous devons passer à d'autres systèmes, à un autre système. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer le changement. Le changement ne viendra pas. Même si nous voulons, nous allons arrêter 20 000 personnes. Vous voyez comment les guerres continuent à persister. C'est ça le vent du changement qui est en train de venir. Mais nous devons éviter à ce que ce changement-là arrive par les moyens de force ou des moyens qui ne sont pas civilisés.
Nous devons nous mettre d'accord. C'est ça le consensus dont je suis en train de parler. Nous devons nous mettre d'accord. Nous devons, nous Congolais, nous devons nous reconnaître d'abord que nous sommes sur un mauvais chemin. Le chemin sur lequel nous sommes ne nous conduira absolument à rien. Notre pays continuera à s'embrouiller, à s'embourber dans le désordre et tout ce que dans l'ingouvernabilité de notre pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons un pays. Aujourd'hui, nous avons un semblant de pays. Et c'est ça que nous nous disons, le président doit se prendre conscience en disant, nous devons mettre fin. Et comment il va mettre fin? C'est justement, nous avions relevé 4 points et nous avions commencé à parler de ça depuis les émissions passées. Nous avions relevé 4 points. Le premier point que nous sommes dit, il faut qu'il proclame la 4e République en disant, Bandeko, trop c'est trop, nous proclamons la 4e République et dont nous accéderons à partir de 2023. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en disant que dans la 4e République, nous n'y arriverons pas avec la même constitution aujourd'hui. Nous devons changer la constitution. Cette constitution que nous devons écrire devra donner le pouvoir au peuple. Le peuple devrait s'exprimer, le peuple devrait avoir ce pouvoir-là. Ça ne sera plus quelqu'un. Oh mutumo kwa yebo et oh président de la République qui a kosale la biso nzembo ane fwesi la. Banduku hii nyimbo ya kusemaka president kwetu angalilia hapa. President huku kwetu akukwake hivi ile mu 4e République inapashwa isha. Et na tunapashwa mettre fin. Ça c'est la proclamation d'une nouvelle écriture d'une constitution qui accompagnera la 4e République. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point ça sera la convocation justement de ces assemblées territoriales. Pourquoi territoriales? Parce que moi, je me dis que dans les territoires, il est facilement possible d'obtenir des consensus. Il y a 4 territoires qui vendent dans 4 territoires. Chaque territoire qui vend, il y a des gens qui vendent ensemble. Il y a des gens qui vendent. 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 Il faut tout vendre dans nous tous les gens. C'est pour cela que nous sommes dit. Président, il faut convoquer. Donc, le schéma est en Guana, donc 4e position. Ceux qui t'ont convoqué dans l'état de lieu à ma territoire, qui seront pris par les notables, les chefs de groupement, les chefs de secteur, les administrateurs de territoire de chaque territoire et les notables de tous les territoires, les composantes et Kozala Nengenin et Kozala Nabana Oba Vandi Nakati à ma territoire Wana. Bana batu nini ango bavani na kati ya ba territoire wana eza batu eza toko denombre bango nini toko yeba bango par ba tribu na ba notable ba tribu nde vanda kuna ba etni na ba tribu ya chaque territoire e yebani eza te ke toko luka nani nde batu wana ba yebani ba miyebani ba lobite o eza la kabanoko na biso bazalaka awa o eza ba lendu o eza ba ema o eza ba soki ba oyo soki ba nani bango biso nde tozalaka na territoire oyo batu na bango to yebani na bango ba chef de groupement na bango wana batu nyoso wana. Je me suis dit, dans 145 territoires, nous pouvons facilement, batouna batou, kuna place bazali, ba réunir tout au moins 300 personnes, ba vanda. Na assemblée, ba tato la ba makamounyo sakoloba, biloko ni nan wezo sala, ezo kende malamu te na territoire nabiso. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que territoire nabiso e kende malamu? Administration nabiso tokotonga yango nengeni. C'est comme ça que nous sommes dit. Wanande projet otoloba ki projet à 145 territoires. Et zala ki makambo wa kokende kotonga ba ponte ou quoi que ce soit. Non. Nous avions dit l'argent qui sera octroyé à ces 145 territoires et qu'on supporte justement ba conférence wana, banani ba assise wana, ba assemblée, ya banani ya ba conférence ou bien ba état de lieu, ya ba territoire. Pour que ba tout, ba vanda, ba ye ba keno, province nabiso, territoire nabiso ezali boye. Tozala kana diamant awa, tozala kana babo, tozala kana 500 commerçants. Na prévoyé ki na lobi ba nani ba état de lieu wana e koki kosala ta ba 3-4 mois. Chaque territoire tango kozala et si est maîtrisé et